Eh bien salut tout le monde, c'est MrBboy45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Resident Evil 4, bien évidemment. Oui voilà, je suis mi-anglais, mi-français, oh s'en bat les couilles. Épisode 24 me semble-t-il, et comme disait Léon, hein, Léon, oh c'est dégueulasse, Léon, salut t'appelles, bah moi c'est Léon, et toi? Non, comme disait Leon, bien évidemment beaucoup plus stylé. On approche de la fin, voire probablement le dernier épisode. J'espère que le Let's Play Dead Rising 4 vous a plu. Enfin, vous plaît, évidemment, parce que vous avez vu qu'un épisode d'ici là. Oh là, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Je suis possédé. Donc, on va mater la carte. Il me reste un... Ouais, je suis bien. Je suis royal. Il me reste tout ce qu'il faut. On est parti. Peut-être le dernier épisode, peut-être pas. Je ne m'en souviens pas. Oh, des herbes. Oh là là, ça... Oh là là. Oh, quand ça régale comme ça, c'est que ça va partir en couille très très vite. Notre mission. Le pouvoir aux États-Unis repose sur trois institutions. Le ministère de la Justice, les différents corps administratifs et le ministère de la Défense. Pour prendre le contrôle de ces institutions, nous devons influencer l'entourage du président. Après avoir fait cela, nous prendrons rapidement le contrôle des institutions restantes. Si, par hasard, les États-Unis venaient à découvrir notre projet, ils ne pourraient pas le compromettre. Nous serions toujours capables de conquérir le pays comme prévu grâce à notre plan de secours. Dès lors que nous contrôlerons le pays, nous utiliserons leur influence internationale à notre avantage. Le reste du monde tombera rapidement. Comme il a été dit avant, si notre premier plan ne fonctionnait pas comme nous l'espérions, nous utiliserions notre deuxième plan. En envoyant nos forces spéciales, nous infiltrerons le pays à l'intérieur, la peur et le chaos se répandront comme un virus. Tout ne sera qu'une histoire de temps avant que le pays ne perde sa stabilité. À ce moment, quand ils seront les plus vulnérables, nous frapperons. Réjouissez-vous mes frères, le monde va bientôt être nettoyé. Alors aussi triste soit-il, ça me rappelle énormément une situation à l'heure actuelle que nous vivons. Donc vous l'aurez compris, ces Espagnols suceurs de chorizo bien évidemment et lécheurs de gambas veulent rentrer dans les États-Unis et prendre le pouvoir par le chaos et la peur. Pourquoi vous, Espagnols de mort, parce que les gars, c'est pas méchant, mais bon, c'est pas en bouffant 3 paella par mois que tu vas réussir à conquérir le monde. Mais pourquoi? Voilà, ça, écoutez, ils ont envie, c'est comme ça, et je précise qu'on est bien à la fin du jeu. Va falloir tout donner, va falloir tout vendre et tout donner. On va sauvegarder, mais avant cela, on va quand même faire un tour chez le vendeur. Yo frérot, qu'est-ce que t'as d'intéressant à me vendre? Alors, déjà... Il n'y a pas de petits bénéfices, on va vendre ça parce qu'on les utilise pas. Ah, j'ai un lance-roquette, ça risque d'être très rapide et très simple. J'ai bien peur que ça risque d'être très rapide et très simple. On va essayer de le tuer avec un œuf, mais ça sera improbable, je pense. Qu'est-ce qu'on a? On a une émeraude avant. On vend tout, hein, c'est terminé. Fin de l'aventure, les amis. En tout cas, j'ai bien kiffé refaire ce jeu. C'était en attendant justement Dead Rising 4, ça nous aura occupé pile poil. Donc, je suis plutôt bon dans tout ce qui est aménagement d'emploi du temps. Alors, 40 000, il me reste. 150 000, c'est mort. C'est clairement mort. Striker, ouais. Bah ouais, 40 000, allez, go. Et 80 000 l'exclusif augmente la cadence de tir au-delà des limites initiales. Voilà, j'ai le sniper le plus puissant. J'ai le pompe à son max. J'ai tout à son maximum. Il n'y a plus qu'à faire un petit aménagement au niveau de l'inventaire. Et puis les amis, on sera bon, on va pouvoir arracher tout ce bordel là. Regardez le nombre de balles de Deagle. Regardez-moi ça. Ça va découper contre le boss. Je vous raconte pas le bordel. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Tiens, on va faire ça. Ah, c'est beau. J'ai même pas de balle de pistolet. En ai-je vraiment besoin? Je ne pense pas. Voilà, on va la jouer full magnum. Hein. Ah, on va découper comme Jaja les gars. C'est moi qui vous le dis. Hein. C'est parti. Attends-moi là, Ashley. Je vais soulever des mers. C'est exactement ce qui va se passer. Something's not right. Ashley, you stay here. Allez, j'espère que vous êtes chaud. Je rigole, une roquette, fin du boss, on n'en parle plus. Ada! Better try a new trick, cause that one's getting old. You okay?
I've been better. What's so funny? Oh, I think you know. The American prevailing is a cliché that only happens in your Hollywood movies. Oh, Mr. Kennedy, you entertain me. To show my appreciation, I will help you awaken from your world of clichés. Ada, stand back. Quelle est cette gueule de Satan? Ah oui, il n'y avait pas ses bras. Un cinquième, c'est beaucoup mieux. Ok. Ok, ma gueule. On ne peut plus partir. On ne peut plus partir. Oh putain, par contre. Wow. Ok. Ça, j'ai pris. J'ose pas me retourner. Ah! J'ai peur. Ok, on va passer par ici. C'est pas mal. Ça me semble pas mal. Waouh. Quoi? Allez, dépêche-toi. Mais c'est quoi ça? J'avais totalement oublié. Quoi? Tu triches? Oh! C'est la panique à bord, le fun et la vitesse à bord. Ouais, c'est le petit remix. N'hésitez pas à en faire un seul gueule. Détaché. Ferme-la. Wow! Calme-toi, Denis. Ah! Oh putain, tu m'as fait peur. La tête de ma mère, hein. Hop. Qu'est-ce que c'est? Boom! In your ass, motherfucker. Ok. Ok, regardez. Hasta luego. Boom, biatch. Quoi? Oh oui. Encore un autre. Régale-moi, bébé. Il est où? Aïe. C'est rien. Ok, bébé. Dis-moi pas que c'est aussi simple. Hasta luego, baby. Voilà, c'était la fin du jeu. Sorry, Leon. Hand it over. Ada, you do know what this is. Don't worry. I'll take good care of it. Ada! Gotta go. If I were you, I'd get off this island too. She really pushed it. Here, catch. Better get a move on. See you around. Very cute. Allez, vous avez obtenu les clés du jet ski. Le système d'urgence a été désactivé. Bon, comment vous expliquer? Comment vous dire? 100 000. Oh là là, bah j'ai mon magnum au max. On rentre à la maison. Bon, c'était simple, hein? C'était pas super compliqué en soi. Alors attendez, bougez pas, on va mater la carte. C'est n'importe quoi. Bon, les gars, j'avais gardé le lance-roquette pour ça. Je voulais le tuer avec l'œuf. Malheureusement, je n'ai pas pu, hein, vous l'aurez compris. Attendez, j'ai vu une zone noire. Une zone rouge, pardon. Ah oui, c'est là où je vais devoir aller. Ok, c'est parti. Bon, c'est pas terminé. Hein. Maintenant, faut s'évader de l'île. Parce que forcément, elle va tout faire péter. Mais en tout cas, bien, bien drôle cette petite fin. J'espère que c'était la fin la plus rapide au monde. C'était la fin la plus rapide au monde. C'est vrai qu'un lance-roquette, ils auraient pu au moins me permettre de... Comment on peut dire? De lui mettre quelques balles, quelques tirs de magnum. Je peux aller derrière ou pas? Non. Très bien. Ça ne veut pas. Bon bah je n'irai pas derrière, écoutez, autrefois. Je voulais profiter de mes 100 000 pesetas pour finir l'aventure en beauté. Mais voilà, c'est vrai que un tir de lance-roquette, ils auraient pu me permettre de m'amuser un petit peu avec le magnum et tout. Bon, après on était en mode normal, hein, voilà. Mais en tout cas, quel plaisir de refaire ce jeu.
ce jeu tant aimé, tant fait, tant refait à l'époque sur PS2 et le refaire avec vous. Ah, ça me touche, ça me fait extrêmement plaisir parce que vraiment, l'avoir fait étant jeune, j'étais gamin les mecs, putain j'allais au collège cousin, tu vois, et là je le refais avec vous, c'est ça le plaisir, tu vois ce que je veux dire? C'est ça le putain de plaisir, c'est de le refaire avec vous, alors que je le refais, j'avais un petit sac à dos miskin, j'étais une merde, tu vois. Je me permets des petits trucs, hein. Je me permets d'aller en hyper vitesse. Allez, un petit saut, voilà, ça c'est pour le spectacle. Ça c'est pour le spectacle de fin d'épisode. En tout cas, j'espère que ça vous a fait énormément plaisir. Bombarder la touche de j'aime. Là, on part à la Time Crisis. Hein. Une fin à la Time Crisis. Ah, très bien. Voilà. Allez, les gars, on surfe sur la wave. Donc, bombardez le like, les gars. Bombardez aussi les commentaires. Si vous voulez l'aventure avec Ada, c'est-à-dire, c'est pas la même. C'est-à-dire qu'on fait ce qu'a fait Ada en parallèle, hein, au final. Si vous voulez l'aventure avec Ada, eh ben faites-le moi savoir par commentaire. Hein, pendant qu'on s'échappe, on se parle tranquillou. Et puis, je vous fais énormément de bisous. Ah ! N'oubliez pas le j'aime. Allez ! Et le commentaire. Et on se retrouve très vite, évidemment. Let's go home. Sounds like a great idea. Mission accomplished. Right, Leon? Not quite. I still have to get you home safe. So, after you take me back to my place, how about we do some, overtime? Sorry. Somehow I knew you'd say that, but it doesn't hurt to ask, you know? So, who was that woman anyway? Why do you ask? Come on, tell me. She's like a part of me I can't let go. Let's leave it at that. Fin donc de cet incroyable jeu. Très bonne expérience, très bon Resident Evil en soi, sans doute le dernier, hein, très très bon. Après, c'est Resident Evil 5, il n'était pas mauvais en soi, mais c'est vrai que ça a dénaturé énormément Resident Evil. Et puis le 6, pas mauvais en soi non plus, mais ça l'a dénaturé aussi. Et vivement le 7 en janvier, plus qu'un mois d'attente les amis, dans un mois je vais vous régaler comme jamais. En tout cas, quel plaisir, on va passer évidemment le générique. Et puis, ah, c'est maintenant qu'ils mettent l'avertissement. Et évidemment, les personnes et les événements présentés dans ce jeu sont fictifs. Bah oui, hein, vous l'aurez compris, les gars, ça n'existe pas. Hunnigan, is that you? Finally, the line's jack free. Hey, Hunnigan, no glasses. Forget the glasses. What's the status of the mission? I've rescued the subject. We're returning home. You did it, Leon. Thanks. You know, you're kind of cute without those glasses. Give me your number when I get back. May I remind you that you're still on duty? Story of my life. Voilà. La petite conversation finale. Un plaisir. Un bonheur. Sauvegarde réussi. Résumé. Compte rendu de fin. Avec la musique. Oh, j'adore ce genre de musique, putain. Allez, taux de coup au but. 77% de précision globale. J'ai tué presque 1000 ennemis. C'est plutôt propre. Et je suis mort 17 fois. 17 fois de trop, allez-vous me dire. Mais écoutez, on a tenté des trucs pas mal de fois dans cette aventure. Et il nous a fallu 13h37. Alors évidemment, hein, les gars, mon record dans le jeu, je crois que je l'ai terminé en 6h, un truc comme ça. Donc, on a pris notre temps, on a vraiment tout fait. Mais voilà, je voulais vous faire une aventure assez complète, où on loupait rien, où on se gavait aussi. On s'est énormément gavé sur les armes et tout. Donc, plutôt assez fier. Télécharger vos données dans les classements, si tu le souhaites, frérot. Donc, assez fier de ce petit compte-rendu, assez fier aussi des épisodes que je vous ai fournis, et ça fait plaisir. Vous pouvez désormais acheter chez le marchand un lance-roquette infini et le Matilda. Matilda, c'est une
une arme à camembert, recharge camembert de l'époque, illimitée, me semble-t-il, j'ai pas envie. Ah non, c'est la Chicago. C'est la Chicago. Bref, je recommencerai en privé, et évidemment, le menu a changé, et on peut faire Separate Rave, l'aventure d'Ada. Alors, Separate Waves... Ouais, on peut faire plein de choses. Allez, dites-moi en commentaire si vous voulez la suite avec Ada, enfin l'histoire parallèle avec Ada. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. À plus tout le monde, ciao ciao.